J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle de cils. Et oui, les cils, vous savez que c'est un peu... c'est un peu ma kryptonique. Hein. si j'étais Superman, voilà. Parce que j'ai longtemps cherché un mascara qui ne fasse pas juste des petites pattes de mouche. Parce que j'ai les cils, en fait, qui se recoupent trois fois sur eux-mêmes. Parfois même qui vont dans l'autre sens. Hein. J'ai longtemps été... Ça a longtemps été la petite blague dans ma famille, hein, avec mes cousins qui me charriaient à ce propos, parce que du coup, j'ai tout essayé, hein, j'ai essayé les rehaussements de cils chez l'esthéticienne, j'ai essayé de défriser mes cils, oui, hein, à ne surtout pas recommencer. Je les ai complètement coupés à une période aussi, ça c'était assez drôle aussi. Je les ai colorés, on a fait une permanente dans l'autre sens quand j'étais en école d'esthétique, on a fait une permanente dans l'autre sens, rien à faire. Il reste très recourbé, tac, tac, tac. Donc j'ai longtemps cherché. J'ai tout essayé. Quand j'étais en école esthétique, j'utilisais du coup le make-up Forever. Donc je vais vous mettre la référence. Mais qui n'est pas dans mon top 5. Parce que finalement, j'ai réussi à en trouver 5 que j'aime, qui me plaisent et que j'emmènerai partout sur une île déserte s'il le faut. Et je les partage avec vous. Donc c'est parti! C'est parti pour mon top 5 de mes mascaras favoris. Let's go! Donc, comme dans tout top 5, on se doit de commencer par la dernière place. Et non des moindres, c'est pas parce que je l'ai mis en dernière place qu'il est nul, c'est juste parce qu'il fallait bien un numéro 5. Et donc, je commence par... Il est noir, il a le bouchon violet, il a des paillettes sur le bouchon. C'est le... Haute un naughty de chez MAC Cosmetics. Et voilà, applaudissements. Ouais. Alors, le haute un naughty, je pense que vous en avez pas mal entendu parler. Et je crois que toutes les clientes qui sont venues me voir en boutique, j'ai dû vous en parler au moins une fois. De celui-ci et de l'autre qui se trouve à un autre emplacement dans mon classement. Le haute un naughty, c'est vraiment... un raz-de-marée dans l'histoire du mascara. Hein. Vous le voyez comme ça, donc oui, il a effectivement deux embouts. Et là, vous allez me dire, mais attends, il a deux bouchons. Oui, il a deux bouchons, mais pas deux brosses. Donc, c'est celui qui a une seule brosse comme ceci. Tac. Voilà. Et quand je dévisse l'autre côté, comme cela. Est-ce que vous avez vu la différence? Alors, je vous explique. En fait, il s'agit de la même brosse, donc qui est dans le même réservoir de produits. Quand vous allez prendre l'ensemble des bouchons, vous allez avoir votre brosse normale comme tout mascara. Et si vous avez des poils qui sont placés autour de la brosse de manière en disque circulaire, tout autour, c'est-à-dire que ça ne fait pas d'ellipse d'escargot qui monte le long de la brosse. Et là, ça va pouvoir prendre suffisamment de produit pour bien gainer, volumiser, magnifier, on va dire, votre rangée de cils. Là, vous avez pas mal de produits sur la brosse. Mais... quand vous prenez le petit côté, la brosse repasse dans le réservoir qui est là, comme ça, là. Et du coup, ça va essorer la brosse encore plus. Du coup, vous allez avoir la même brosse, mais moins de produits. C'est-à-dire que là, vous pourrez venir bien travailler vos cils, venir les étirer, venir prendre même les tout petits qui sont là, voilà, les détendre, les placer, faire ce que vous avez à faire. Et ensuite, je l'utilise moi dans ce sens-là, j'utilise d'abord la petite brosse. J'étire, je les déplie, je les détends, je les replace. Et une fois que j'ai la forme qui me plaît, hop, je vais venir, avec mon côté qui a plus de produits, venir étoffer ma frange et venir en rajouter... hein, comme ceci, tout simplement, pour donner un côté plus de cils. Vous pouvez l'utiliser de cette manière, mais aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par, voilà, mettre du produit sur votre cil, tac, 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 comme vous faites d'habitude, et ensuite venir lisser le tout, comme si comme un mur sur lequel on va venir passer la couche de finition, voilà. Hop, et vous allez venir retirer l'excédent, lisser les pâtés s'il y en a, etc., etc. Donc, en gros, c'est un peu un double mascara en un. Sachant que si, par exemple, voilà, de jour, vous n'avez pas envie d'en faire trop, vous pouvez tout simplement utiliser le petit côté, na, tac, 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 tac. Et puis, si jamais le soir, voilà, vous devez sortir et venir, vous avez envie
de redonner un souffle à votre regard. Hop, vous prenez l'autre côté, vous en rajoutez, tac, tac. Ils l'ont présenté un peu comme ça sur le visuel, un peu côté jour, jour et nuit. Mais voilà, vous l'utilisez comme vous voulez, mais il est vraiment top ce mascara. Au niveau de la texture, elle est crémeuse. Elle ne sèche, enfin dans le tube vous dure suffisamment longtemps sans que ça ne sèche. Petite chose que j'aimerais quand même vous préciser, enfin petit conseil, pensez bien à bien fermer les deux bouchons, là et là, parce que souvent on oublie de, on ferme celui-ci mais pas celui-là. Et du coup ça sèche, l'air rentre dans le bouchon qu'on a moins bien fermé, ou inversement, et du coup ça sèche un peu plus vite. Donc pensez bien à bien fermer vos deux bouchons. Il existe en noir normal ou noir enrichi en carbone. Celui-ci c'est celui, le noir enrichi en carbone. Pourquoi deux noirs? Ben parce qu'il y a celles qui aiment vraiment quand c'est vraiment très noir intense. Pas que le sans carbone ne soit pas intense, c'est juste que pour les yeux sensibles, quand l'ajout de carbone peut être un petit peu mal supporté. Donc voilà, celles qui ont les yeux sensibles prendront la version normale, et celles qui, voilà, qui ont les yeux qui résistent et qui veulent que ce soit très très noir, vous pouvez passer sur la deuxième formule. Et voilà, le haut teint outil que j'avais placé en cinquième position. C'est parti pour la place numéro 4. Il est rose. Il est métallique. J'hésite entre deux jingles pour vous le présenter. Entre oh yeah ou wego wego wego. Vous aurez deviné, je vous parle de Too Faced Better Than Sex. J'ai adoré la petite publicité, le petit spot sur YouTube avec l'asiatique qui se met son mascara et que... voilà, il est tellement bien que voilà, elle a chaud et compagnie, et que c'est Better Than Sex, et du coup, voilà, donc c'est le Better Than Sex, il se présente comme ceci. Vous avez une brosse qui, cette fois-ci, va avoir les poils disposés en sablier, c'est-à-dire que là, ici, vous avez la forme qui fait comme ça, ensuite comme ça, de manière à bien attraper... hein, que ce soit ergonomique afin d'attraper tous les cils. Je vais arrêter de faire que cet œil parce qu'après j'aurai cet œil là très maquillé et l'autre non. Voilà, donc pour bien attraper vos cils, ici la brosse, les poils sont placés de manière que tout de suite ça, voyez comme les brosses pour nettoyer à l'intérieur des biberons, tout de suite ça agrippe vos cils et hop, il n'y a même pas besoin de faire beaucoup de gestes, ça les attrape tout de suite et ça les étire facilement. La texture, elle est assez crémeuse. Je ne l'ai pas depuis suffisamment longtemps pour vous dire si ça sèche ou pas. Mais depuis que je l'ai, j'en suis très contente. Elle est assez épaisse et vraiment noire. Hein. C'est un noir noir. Donc celui-là, il va vraiment étirer vos cils et étoffer. C'est-à-dire que si vous avez peu de cils, il est vraiment bien. Parce que du coup, vous allez avoir une frange qui va quand même être assez étoffée, assez... comme si vous aviez plein de cils en fait, tout simplement. Il ressemble un petit peu à l'effet du haut teint nautique quand vous prenez l'ensemble des, enfin sans essorage là, quand vous prenez la grosse brosse. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ici la brosse là ici, c'est un détail que je précise souvent qui peut être un peu bête, mais moi j'aime bien vérifier ici là le manche est assez solide, c'est-à-dire que quand vous venez, ça bouge pas, ça va pas se plier en même temps. Plier ici, hein, je parle. Là, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est pas grave si ça se plie ici. Mais ici, à ce niveau-là, c'est... en gros, on a une bonne prise en main. Voilà, tout ça pour dire ça, la fille. En tout cas, voilà. En quatrième position, c'était le Too Faced Better Than Sex. Hop! Maintenant, c'est parti pour la place numéro 3 de mon... On retourne chez MAC Cosmetics avec le Extended Play Lash. Alors ici, le Extended Play Lash, vous avez une toute petite brosse. Et donc, que mes petits cils adorent. Ici, les poils, donc la brosse, là, pour cette fois-ci, les poils sont en elliptique. Donc, ils font comme un serpentin tout autour de la brosse. Et là, donc, du coup, le fait qu'elle soit toute petite, je peux la glisser dans ma courbure comme ceci et venir... hop, étirer, donc comme un brushing de cils, pour venir étirer mes cils au maximum. Ici, du fait de la petite brosse et de la formule, ça va vraiment étirer, vraiment faire du stretching à vos cils. Ce que j'aime aussi, c'est le fait, c'est son démaquillage. C'est-à-dire que la texture, la formulation du mascara a été faite de manière à ce que pour démaquiller, en gros, il se démaquille à l'eau chaude. Vous allez sous la douche, vous frottez comme ça, là, tac, 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 tac. Et tout est démaquillé. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça veut dire que si je vais à la piscine, ça coule. Non, ça marche qu'avec l'eau tiède. Une fois que vous avez mis de l'eau tiède,
la formule va se dissoudre et comme ça vous pourrez démaquiller complètement votre mascara. Donc c'est super pour les sportives, c'est super quand tu oublies tout le temps ton mascara quand tu te déplaces, ton mascara, ton démaquillant quand tu te déplaces. C'est génial quand tu es fatiguée, quand tu rentres sous la douche et puis hop 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 hop. Sachant que moi quand je me maquille avec de l'huile démaquillante, donc j'ai plus l'étape fatigante du coton machin. Non, je rentre sous ma douche, hop, huile démaquillante, je rince, je frotte mes cils, et c'est réglé. Voilà, celui-ci aussi existe en deux versions, donc version noire normale et noire enrichie en carbone. Voilà, c'est le Extended Play Lash et je l'aime. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit dans mes vidéos produits finis que je l'aime, je l'aime, je l'aime ce mascara. Mais voilà, on continue, on continue. En quatrième position, qu'est-ce que je raconte quatrième? En deuxième position, hein, demi-finaliste, je vous parle de mon premier mascara Julicious. Donc c'est le premier mascara Julicious. Ici la brosse est en silicone, comme ça. Donc une brosse en silicone avec des petits picots qui va pouvoir venir épouser correctement la frange de vos cils. Pareil, la formule va gainer, vraiment faire comme comme enrober vos cils, enrober chaque cil en fait pour définir chaque cil. Il est aqua résistant, donc vous pouvez aller à la piscine, vous jeter dans l'eau, il n'y a aucun problème, waterproof, mais il se démaquille quand même facilement. C'est-à-dire que vous allez utiliser un démaquillant waterproof normal sans forcément devoir insister trop 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 trop. La petite brosse ici, à ce niveau-là, est assez flexible, donc pour pouvoir bien travailler les cils de l'intérieur, les cils de l'extérieur, même les cils du bas. Voilà. Ici, il va à la fois étirer, recourber et faire du volume sur vos cils, malgré que ce soit un mascara waterproof. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre pour la piscine, pour la plage, pour la ville. Il n'y a aucun problème. Voilà. C'était mon top 2, mon mascara Julicious. Et là, vous allez me dire, mais t'as pas mis ton propre mascara en top 1? Oui. Parce que, voilà, faut dire ce qui est, hein. J'ai fait de tout mon cœur, j'ai fait tout mon possible pour y apporter ce que moi j'aimerais trouver dans un mascara, donc c'est-à-dire la brosse en silicone, les petits picots qui agrippent bien, la formule qui résiste au rire, aux larmes de rire bien sûr, hein, aux pleurs, bon, en espérant que vous pleurez pas trop de tristesse, hein, à la piscine, à la chaleur, voilà, on a vraiment bossé là-dessus. Je suis vraiment contente de mon mascara, contente de pouvoir le présenter puisque ça faisait un moment que je voulais vous faire sortir les mascaras sur mon site et que ça retardait. Aujourd'hui c'est possible, mais j'ai quand même pas mis mon mascara en top 1 parce que vraiment le numéro 1 mérite vraiment sa place. J'aurais pu, hein, limite les mettre ex aequo, mais bon, on va pas faire. Je veux rester objective. Et donc, en numéro 1. Je vous ai mis, je vous en ai déjà parlé. C'est le The Real de Benefit. Le The Real, je l'aime. Je l'aime. C'est celui-là, je les aime d'amour. Hein. On peut dire celui-là. En fait, ils les aiment tous, c'est normal. Sinon, je ne ferai pas la vidéo dessus. Hein. Donc le The Real, ici, la brosse est en silicone, comme ça, avec des picots. Elle est un petit peu plus bombée par rapport au Julicious. Voilà. Sur le Julicious, vous retrouvez la forme en sablier un petit peu. Ici, elle ressemble plus à une capsule, vous voyez. Hop. On va les refermer comme ça. Voilà. Ici, pareil, la texture va vraiment gainer vos cils, les étirer aussi. Celles qui l'ont, vous attesterez, hein, pour le démaquiller, il tient de fou ce mascara, c'est incroyable. Vous le démaquillez, tu démaquilles, tu démaquilles, tu vois que t'en as encore, tu dis mais tu comprends pas, il t'a démaquillé pourtant. Il est et vraiment, même les petits cils d'un seul coup deviennent longs. Il est top ce mascara et c'est le The Real de Benefit. Et voilà, donc j'espère que mon classement vous a plu. Hein. J'espère que ça a pu vous aider et vous y voir mieux parce que je pense qu'il y a certains que vous avez déjà vu mais pas forcément testé. Dites-moi quel mascara vous utilisez et dites-moi pourquoi vous l'aimez. Dites-moi s'il y en a un que vous utilisez qui est dans mon top 5. Hein. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous mes Julicious.
Vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos si vous cherchez où vous les procurer. Voilà, je vais tout vous mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt, mes Julicius. Ciao, ciao.